Bonjour la VOD, c'est parti pour le let's play de Resident Evil 2 sur Claire Redfield. Voilà, let's go! C'est bon! Là, c'est camouflé à fond, là. De quoi qui est camouflé à fond? C'est vrai, ok, j'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai, ça devenait intéressant. Ça me donne pas du tout envie la bouffe, hein. Oh! Oui, Matt, oui, c'est Resident Evil 2. Oh merde! RIP monsieur? Je suppose? Tu vas mourir? Salut Annie Draguid, comment vas-tu? Et paf! Ça va, merci. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Non, le pauvre. Il est tellement en train de culpabiliser. Oh non, il est tellement en train de culpabiliser. Elle va le sauver. Elle va le sauver. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Oh, Chris, tu ne serais pas la petite copine de Chris? Claire, du moins. Faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? C'était quoi ça? Eh oh! Pourquoi elle se relève, Aurélien? Mais parce que c'est un zombie. C'est un zombie. Et du coup, bah forcément, elle se relève. Ok, ok, on joue Claire, c'est parti. Merde, ma calandre toute neuve. Ah, c'est dommage. Je n'ai fait aucun Resident Evil. Y a-t-il un ordre? On commence par le 2, on n'est pas perdu. Bah, je crois que... Non, enfin, oui et non. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai fait par ordre de sortie. Comme ça, je suis l'histoire comme ceux qui ont découvert les Resident Evil au fur et à mesure... du jeu. Ouais, je pense que le monsieur s'est fait bouffer, même que c'est lui qu'on va voir là. Oh, quoique, quoique. Y a du sang partout, madame. Du sang absolument partout. Y a pas une arme dans cette voiture, c'est une voiture de police. MDR, Dark qui gueule. Ok, tu peux commencer par le 2 si tu veux. Faut que j'aille où? J'ai pas compris. C'est moi? Peut-être là-dedans? Open. Ah bah oui, c'est open. Ah bah oui, c'est open quand c'est fermé comme ça, c'est top. Et oh? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais pas déjà avoir peur. Et oh? Ah non. En plus, il y a des... Ah non! Oh non! Est-ce que ça va? Monsieur? Monsieur? Quoi? Restez ici, je vais jeter un œil. Mais j'ai clairement pas envie d'aller jeter un œil! Mais qu'est-ce que tu crois? Mais jamais de la vie! Donne-moi ton arme, fais quelque chose! Non? Nous, j'ai décidé qu'on allait braquer, voilà.
On va braquer cet endroit. Oh mon dieu, je veux pas y aller. On va braquer cet endroit, puis on s'en va, d'accord? Je pense que c'est la meilleure idée. Hein? voilà. à toi, Tijuri. Ok, il a rien à voir avec les autres. Ok, ok, pas de soucis, je savais pas du tout. Bouge pas, je te dis. Excusez-moi, Amir, tout va bien? N'approchez pas! T'as tué un mec là, j'espère que t'es contente de toi, Claire! Bon appétit! Ne t'approche pas de moi! C'est bon? C'est bon du coup, le monsieur il est mort? Nickel! Ça me dégoûte. Oh bah non, c'est tout mignon, tout plein. Ok. Je sais pas ce que c'est. Clé. Bah super, merci. Oh non, on a un inventaire restreint là aussi. Trop bien. Oh mais elle, elle est flic. Elle est flic, c'est sûr les gars. Regardez comment elle tient. Ah! Oups! Pas de sang, monsieur! Ah! Oui! Ça va. Tirez pas. Laisse-toi. Oh mais c'est pas possible, ça peut pas commencer comme ça. Faut se tirer d'ici. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard. Oh, chiché Elina. Oh mon dieu. C'est qui? C'est Chris? Non, c'est Léon. Alors mec, là, t'auras jamais assez de balles. Il est pas beau. Suis-moi. Monte. Accroche-toi. Ah là là, le beau gosse qui vient nous sauver quoi, génial. J'ai perdu une balle, mais j'ai un début en mode hardcore, c'est un pardonnable. Ouais je sais mais je suis pas en mode hardcore, du coup ça devrait aller non? J'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Léon Kennedy. Claire. Claire Redfield. Le nouveau duo! Et du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. Non, il est pas en vie à coup, il me semble. Raccoon City, home of Umbrella. Ça, ça pue. Quand tu vois ça, ça pue. En tout cas, trop cool, hein. Il est super bien fait, j'espère. Moi, j'ai des petits lags à des moments. Si vous en avez, vous me dites, je baisse la qualité, d'accord? Mais il fait déjà un peu peur parce que j'ai vu l'autre, il a commencé à essayer de courir, là. Relou, Lolande. Ça va toujours, merci, et toi? Dans cette situation, vous devez A. Faire confiance à un total inconnu. Jeter ce total inconnu en patio, utiliser la PLS. Moi je choisis la PLS perso, c'est bon. Pas de soucis, bonne soirée à toi Eliane. Des bisous, merci d'être resté. Des gros bisous à toi. C'est vraiment le meilleur, c'est vrai, c'est le meilleur. Mais pourtant il a pas grand chose à voir avec le début de l'histoire, non? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. President Evil. Deux, pardon, c'est le 2. Hop. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville,
Nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon. Ah, oh bah oui, meilleure idée! On se rassemble tous au même endroit. Oui. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. Ouais, ok, je vois à quoi. Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Ouh, toi t'es nouveau dans la police, non mon grand? Ah. Tout à fait, Zeratul, mais j'aime bien cette position, moi. La position, la PLS, puisque au moins, je vois rien. Je suis en PLS. Je crois qu'on va devoir marcher. Alors, je sais pas si on va devoir marcher, mais courir, ouais, voilà. On a pensé à la même chose. Ah, c'est bon. On a pensé à la même chose. On a pensé exactement à la même chose. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Claire, sors d'ici. Allez, vite! Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas! Accroche-toi! Pourquoi il conduit encore? Il est pas mort? Monsieur Calandre, bah oui! MDR dans le qui gueule. Roquette, t'as fondé cette ville, j'ai pas la ref, Elena. Oh, ouh. Ouh, ça doit pas faire du bien. Oh, il est où Léon, là? Claire! Claire, ça va? Ah bah oui, ils ont été séparés, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Je peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Ça remet la colonne vertébrale en place, clairement. Part tout seul. On se retrouve au commissariat. Ok. Ok, on va juste courir pour le moment. Allez, faut pas que je reste là. Faut que je garde mes balles. Ça va qui? Ah! C'est pas le bon endroit, c'est où? C'est là-bas! Il faut suivre la lumière! On croirait la fin du monde. Un petit peu, ouais. Légèrement la fin du monde. Légèrement. C'est juste très léger, tu vois. Ok. Le commissariat. J'y suis presque. C'est ça là, c'est RPD. Raccoon. Raccoon City Police Department, il me semble. Non ! Lolo ! Lolo ! Roger, paix à ton âme, mon pauvre Roger. Mais j'ai pas compris pourquoi il a conduit jusqu'en ville en fait. C'est. Vraiment pas compris quoi. Il essayait peut-être. D'aller. D'aller à l'hôpital, je sais pas. Mais bon, dans ces moments-là, tu te dis je suis foutu quoi. Enfin, tu vas nulle part. The Walking Dead. Heureusement encore, ils sont pas très. Ouais, ils sont pas encore très fufu. Oui. Hop, allez. J'adore ta tête quand tu as fermé, Dark Diablo. Y'a quelqu'un? Oh, du soin. Ouais. Je prends. Qu'est-ce qu'on a? Oui, je prends. Ok. Une machine à écrire, nickel. Raccoon City Police Department. Allez, Chris. Où est-ce que tu es? C'est Chris. Allez, c'est Chris, c'est sûr. Merde. Il y en a à l'intérieur. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans!
What the fuck, mec? Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Non? Il faut que j'aille l'aider. Non? Non, non, mais chacun pour sa pomme. Pourquoi tu veux aider tout le monde? Quel enfer. Donc je suppose que c'est une zone safe. En vrai, là où il y a les trucs de sauvegarde et tout, ça doit être une zone safe. Je suppose, parce qu'il y a des petits bruits bizarres. Qu'est-ce qu'on a? N'a rien du tout. Si, on a ça là, keep out. Là. Ah. Tu sais la carte? Oui. Yes. Et en fait, c'est là, il faut que j'aille ici. Donc c'est bon en fait, je suis allée au bon endroit. Ah, vraiment top. Hop. Génial. Ça, faut pas me le dire, Davak. Il est où? T'as un remake du tonnerre? Ok, ok, bon bah nickel alors. Ah. Bon bah dommage, j'ai pas de fusible, annulé. Ce sol rempli de sang, mais clairement c'est assez glauque hein. Faut pas me faire peur comme ça. C'est interdit par la loi. Non, moi je connais pas encore. Je connais pas encore Davak. Respire. Allez. Ça va, en vrai les contrôles sont assez faciles. Du coup c'est plutôt cool. Allez. Je te dis juste que moi je connais pas Monsieur X. Donc si, en l'occurrence si. Je sais pas qui c'est. Je te dis pas que tu spoil, je te dis juste fais attention à ce que tu dis, je ne connais pas tout. Les bons toilettes. Ah. Ok. Ah. Bah non, désolé, j'ai pas de fusible de rechange dans mon sac à main. Mais si, je veux le prendre. Merci. Ok. Là, il n'y a rien d'autre. Ok. Hydrant, bon, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Oh, Mon dieu. Ah. Qui a faim? On se fait une petite partie. Petite partie barbecue. Mais je sais pas non plus qui est Monsieur Y en Ouvrez fait, Davak. Vite! Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! Oh, mais attends, monsieur, là! J'arrive! Ouvre la porte! Vite! Dépêche-toi! Ouvre-la! Donnez-moi votre main! Aide-moi! Allez hop, je fais fort! Donnez-moi l'autre main! Ah, à ma rythme, monsieur. Mais fallait être un peu plus rapide. Non, mais franchement, tes policiers, tu sais pas ramper par terre. Oui, mais je sais toujours pas qui c'est. Il a été coupé en deux, le monsieur. Lui aussi, il va se réveiller, du coup. Attention, il... Carnet d'officier. Ok. Donc, goddess statue. Médaillon. Je dois mettre 3 médaillons dans la goddess statue. Et ensuite, je dois passer par là, parking et way out. Ok. Le lion. Ah, ça me met les signes. Ok, ok, ok. Donc, on a un lion avec le signe du lion, ça et un oiseau. On a la licorne avec le signe du poisson. Certainement un crabe et un verseau. Et on a la déesse avec le signe de la vierge, du coup. De Salin. L'arc. C'est qui l'arc? C'est Artemis, mais c'est quel signe astrologique?
Faut le coller un peu et ça repart, ah bah ça. Et ça, c'est quoi? C'est le serpent? Le Sagittaire, oui. Et du coup, ça, ce serait quoi? C'est quoi le serpent? C'est pas le 13e signe astrologique, là? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le 13e signe astrologique? Je me souviens plus. Enfin, je sais pas s'il y en a 13. Je sais pas s'il y en a 13. Enfin, si, il y en a un 13e, mais c'est dans Fairy Tail qu'il y en a un 13e. Bon, ok, très bien. Non. Le serpentaire. Je sais pas où je vais, hein. Ok. Je sais pas du tout où je vais. Je suis bloquée. Comment je vais faire? Davak, là je comprends juste pas ta réaction. En fait, je sais pas, un petit peu de remise en question. Non, des bisous Davak. À bientôt si tu reviens. T'es toujours pas ça, hein. C'est Léon. C'est Léon, il est là. C'est peut-être pas Léon. Non, c'est pas Léon, ça. C'est fini. Pour l'instant. Non, c'est pas fini. T'es une petite morsure, monsieur. Marie-Mala. Merci. T'as appris à te défendre, on dirait. Ouais. Disons que je sais me débrouiller. Viens. La main pleine de sang et tout, génial. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Ouais, c'est méga violent. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Hé, hey, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Ah, c'est pas ton petit copain? Pourquoi? Ah, je suis déçue. Quelque chose? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances? C'est une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, apparemment, il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret, là. Il y a des passages secrets dans tous les Resident Evil, j'ai l'impression. Hé. Hey. Un petit coup de mercurochrome, mais c'est soigné. Ah, bah ça, je suis pas si sûre, hein. Je peux me débrouiller. Hein? Allez, dites pas de bêtises, il vous faut bien. Ouais, le jeu est très beau, hein. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça, et vous... Sois prudente. Si tu croises d'autres... Pas drôle, il y a pas de passage secret à Bassa. Peu importe qui ils étaient, je joue sur PC, Matt. Tu l'es si tu peux. Sinon, cours. Ok. J'ai essayé de courir, mais je vais pas très bien, alors je sais pas. Ah, c'est vrai, ça peut être son frère et... Ouais. Ouais. On va éviter. Un couteau de combat.
Très bien. Hop. Alors là, je fais le pauvre. Oh non. Monsieur, je peux pas te tirer dessus. Alors, oui. Je suis en danger. Je vais devoir déjà me soigner. Hein. Utiliser. Voilà. Là, on est OK. Donc ça, c'est les machins, là. C'est les trois endroits où on doit mettre, du coup, les signes. Trouver les trois médaillons. Yes. Yes, yes, yes. Et si on sauvegardait? Genre, comme ça, ce sera fait. Ouais, je sauvegarde beaucoup, je sais. Oui. Hop. Voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout. Allez, on continue, hein. Ça, c'est quoi? Ah, le couteau qui sert à ça. Magnifique. Non. Ah non, 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 mais par contre, non. Mince. Je voulais pas que tu ouvres. Ouais, au moins, il n'y a pas de limite de sauvegarde et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Sauvegarder, c'est la vie. Ah, mais clairement. Clairement, clairement. Ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a un buste de policier. Ah, une plante verte. Nice. Ça, c'est bien. Bah, d'ailleurs... non, pas tout de suite. Ah. Pourquoi on se dirige vers là où il y a du sang? Non. Non. On va aller poser... aller poser des choses dans le... dans le coffre. Voilà, voilà. Oui, on va poser ça tout de suite. Déposer, comme ça, c'est fait. Et ah, et la clé, faut peut-être que je la garde. Si je l'ai sur moi, la clé, c'est qu'il faut que je la garde. Je l'ai aidé à manger, madame Didou. Mais bah bien sûr, regarde le monsieur, il va se transformer, on va revenir, il sera tout transformé après. Franchement, c'est terrible, autant qu'il se... Je vais lui dire ça, mais il va falloir qu'il se... Oh. Oh, cette lampe. Oh, cette lampe horrible. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Non, on peut pas s'accroupir. Tu devrais éviter de faire ça. Oh. Oh. Hein? Qui est là? Salut. Oh. Ok. Envie de gerber. Moins de 18. Ouais, ouais, mais de toute façon, mon live est toujours moins de 18. C'est quoi ça? Quoi? Je suis censé faire. Quoi? Très bien. Bon, je ne comprends pas. Tous les héros sont moins de 18, tout à fait, hein. Et mon stream est en moins de 18. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Non, mais non, on va pas ouvrir. Ah! Là. Là, prends. Rapport des événements. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. L'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée, nous pensant qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et donc coupés. Et sommes donc coupés du monde. Une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées. Il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. Coucou Ilerio, coucou Sania, comment allez-vous? Ça va bien, merci Sania. On va pas ouvrir, t'inquiète, il ouvre tout seul. Ouais, mais non. Angelic, c'est une morsure. Ouais, mais c'est vrai, on sait pas si c'est vraiment une morsure, mais ça pourrait. Et salut Drarux aussi. Vous les arrivants, hein, désolé. Hein. Petite pensée à ceux qui mangent en live, ouais. J'espère que vous êtes ravis de suivre ce live pendant votre
Waouh, le freeze. Qu'est-ce que c'est? Plan du commissariat, nickel. Ok. Chambre noire, eh ben on n'a pas trop envie d'y aller. Ok, on a ici, on a les archives. Oui, tout se passe bien. C'est nickel. Le jeu est bien. En vrai, le jeu est joli, le jeu est bien. Par contre... Ah non, par contre... Monte. Salut Didrix. J'espère que tu vas bien. J'ai peur. Oh mince, Illyrio, c'est terrible. C'est terrible ça de s'endormir. Non. Qu'est-ce que c'est, poudre noire? Très bien. Ok. Usage de la poudre noire, donc ça c'est bon à savoir. Munitions pour pistolet, poudre noire x2. Ok, on peut crafter des munitions, c'est bon à savoir. Grenades acides, poudre noire plus poudre supérieure, ok. Munitions pour pistolet mitrailleur, poudre supérieure x2. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques. Réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir tout ce dont vous avez besoin. Ah, ça c'est terrible, hein. Ça va être l'enfer. Quoi? J'ai pas compris, Ulmio. Ah oui, oui, non, si, c'est bon, j'ai compris. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est? Rapport d'opération. On est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite dans les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque... Cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver les infos de ce tunnel, Elliot Edward. Yes, ouais, je sais, Didrix, j'avais vu, ouais. J'avais vu. Ah! Arrête, hein. Quoi? Qui? Ah, il me manque une clé. Non mais c'est pas possible. Attends, je lis. Première mission. Léon S. Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a une serrure. Attends, il y a deux serrures. Une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre premier tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai. Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Comment ça? Ah ouais, non, mais j'ai trop peur, hein. Griffonné au milieu de taches de sang. T'as de la chance de pas être là, le bleu. Ah. Ah! On a Léon, Scott. Attends, monsieur, deux secondes, il faut que je cherche. Première mission. Lieutenant Branagh, on a B, on a Scott. Ah non, K, B et Scott comment? Bon, je sais pas. K. Il n'y a pas de B. Il n'y a point de B. Léon. Branagh. Scott. Léon et... Enfin, on va tester. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est pas ça. Très bien. Mais pourquoi?
monsieur, hein. Je suis pas d'accord avec ça, hein. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pardon. M'a fait peur. Oh non. Lui, il m'énerve. Hein. Oh non, mais il s'est relevé. Mais mec Non, mais vraiment, vous vous relevez? Voilà. Alors. Oh non, mais... Tu as vraiment utilisé toutes mes balles pour rien, là? Genre, salut Jasmine, tu vas bien? Non mais vraiment? Pouvez-vous rester mort? S'il vous plaît. Merci Leia pour le follow, bienvenue à toi. Ok, qu'est-ce que c'est? Extrêmement déçu. Franchement, je pensais que ça allait être comme dans The Last of Us, en mode aise et tout, et en fait pas du tout. Voilà, c'est de la triche. Ce jeu, c'est de la triche. Ok, combiné. Le mieux, c'est de leur mettre des coups de couteau quand ils sont au sol. Ok, d'accord, je vois. Merci Zera. Merci beaucoup. Salut Impérateur, pardon. Salut à tous ceux qui arrivent. Hein. Vraiment désolé si je vous rate. Ok, bon bah on est foutu. Qu'est-ce qu'on a là? On a pas grand chose, hein? On a pas grand chose. Tour noir, mais on peut rien en faire. Non, mais super! J'ai plus de balles, voilà. C'est trop bien. Du coup, on va lire. Alors, carnet d'un officier. Non, ça, on s'en fout. Rapport d'événement. Ah, peut-être qu'on va pouvoir le voir à la fin. Attention. Non, c'était David quelque chose. Rapport d'opération, Elliot Edward, usage de la poudre noire. C'est tout? Cocos de Ya, comment vas-tu? C'est de la balle, oui, c'est de la balle. C'est trop bien. Ok, les initiales de nos prénoms. Léon S. Kennedy. Sauf que nous, on le sait, donc on s'en fout. Mais lieutenant Branagh et Scott, officier Scott. Il faut trouver. Il faut trouver. Tout c'est problématique. Y a pas? Peut-être que c'est écrit, en fait. Je me dis que ça pourrait être écrit quelque part, mais... visiblement, non. Voilà, ils sont pas très coopératifs. Hein. Ah oui, je vois Zeratul. Ok, je vois, ouais. Ok. Bon, on a plus de balles. On est bien dans cette aventure, hein. Vous trouvez pas? C'est génial. Oh, nice. Combiner. On peut combiner directement. Alors ça, c'est vraiment un régal. Qu'est-ce que c'est? Oh, planche en bois. Non, pour le moment, tu restes là. Je sais qu'il y a une planche en bois ici. Vertu des plantes. Donc les plantes, c'est comme dans le 1. Donc il y a les combinaisons. Ok, donc ça, c'est bon. Il y a une machine à écrire. Allez, on sauvegarde. On va sauvegarder ici. Voilà, parce que j'ai un peu merdé. Légèrement. Genre, j'ai juste légèrement merdé. Les pellicules contiennent des preuves de ne pas les laisser entre. Les pellicules contiennent des preuves de ne pas les laisser traîner. Ah. Oh, une plante rouge. Ah non. Non bah reste là, c'est bien. C'est bien aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Je comprends pas. Bah on va rien faire. Voilà, les pellicules ne servent à rien. Ok, bon, c'est une zone safe.
Ah, j'aime les casiers. Est-ce qu'on va pouvoir connaître combiné? Yes. Oh, il me redonne des balles. Vous avez vu? Il avait prévu que j'allais merder. Combiné, voilà. Et là, on fait ça et... Combiné, voilà. Non mais oui, mais j'avais compris, Zera. J'avais compris, mais là, je suis full pour le moment, donc je voudrais pas la récupérer tout de suite. Enfin, maintenant, je peux la récupérer parce que je sais qu'il y a un coffre. Pardon. C'était juste derrière moi. Voilà, tac, ça va aller. Déposer. Tac tac, on est en sécurité. Désolée si je vous fais peur. Kubamoa, j'espère que tu vas bien. Et si on bloque la fenêtre tout de suite, genre? Genre, si on bloquait la fenêtre tout de suite, tu vois? Genre, on prend la planche en bois, on met ça là. Yes, prendre. Et peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Là, utilisé. Voilà, nickel. Allez, on monte, hein. Je sais pas du tout où on va, les gars. Qu'est-ce que c'est? Oui, je prends. Pardon. Oh, mais ça suffit, hein. Ah oui, ça fait mal. Ça suffit. On arrête les bêtises maintenant, hein. Ça fait trop peur. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Sortez-moi de là. Je peux pas jouer à ce jeu vidéo. Ah, mais quel enfer. Mais moi, ça, ce genre de jeu, ça me fait trop peur. Comment vous voulez que je joue? C'est pas possible. Ah, c'est vrai, on a dépassé les 100. Mais là, mais j'ai trop peur. Ah, c'est une statue. Là aussi, il y a un truc qui va sortir. Non, mais en vrai de vrai, non, mais ils sont sérieux? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la clé! Oh oui! Oh, non, je vais pas abandonner, mais. C'est tendu quand même. Je suis désolée si je vous fais peur avec mes cris. Vraiment. Non, mais vraiment, faut que j'aille là. Coucou! C'était quoi? Je peux pas aller dans cette pièce? Ah! Pas le choix? Aux survivants éventuels! Merci! Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les Lickers, ils sont complètement aveugles. Et ils compensent grâce à leur ouïe très développée. Ah bah, dis donc, ça me dit quelque chose, tout ça. Tant que vous ne courez pas partout, comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de malchance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Ok. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle et puis j'ai un copain à venger. Ok. Sauf que, comment je fais? Option. Commande. Assignation des touches. Pour marcher. Avancer, ouais. Ah ben, faut peut-être juste que t'arrêtes d'appuyer sur Shift si tu veux arrêter de courir. Il doit y avoir un finish quand ils sont au sol pour être tranquille. La fuite n'est pas une option. Ouais, je sais. Et puis là, moins je les tue et plus ils vont être, quoi. C'est terrible. Moi, tu me fais rire avec tes cris. Ouais, bah désolé. Perso, tes cris me font... Pas peur, mais ta tête... Mais les têtes que tu fais me font vraiment rire pour les abdos gratuits. Bah écoute. Pas marché. Je suppose... Qu'est-ce que c'est? La poudre.
Ça pue, hein. Sentez ou pas? Moi, je sens la mauvaise odeur. Qu'est-ce qui se passe? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Oui, mais monsieur, je suis pas au bon endroit pour revenir. Bon, la carte. Ok, je suis là. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille là. Là. Comment on fait pour descendre? Est-ce qu'il y a des escaliers, là? Non, hein, il n'y a point d'escalier. Ah si, il y a des escaliers. Est-ce que... Quoi? Oh non, mais je suis perdue. Complètement perdu. Comment on va faire? Envie de passer par là du coup? Non? À moins que je puisse sauter là-bas. Non, bah non. Évidemment que non, sinon ce serait trop facile. Hein, bah oui. Bah écoutez, on va repasser par le chemin long. Qu'est-ce que c'est? Sacoche. Oh, nice! Non, 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 j'ai pas très envie, non. Nice, une sacoche. Donc ça, c'est cool. En soi, j'aime. Qu'est-ce que c'est? Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. Je sais plus... J'ai plus qu'à le faire sauter et adieu les tocards. Mais c'est pas marrant, si c'est trop rapide, je donnerai peut-être à ce taré de quoi couiner. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet, je lui dirai « Tue ce mec et j'épargnerai les autres, je me demande ce qu'il fera. » Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait, si parfait que tu devais mourir, c'est marrant, il me faut de la musique. La fenêtre? Non, non, non. Touche pas à ça. Hein. Ah non, non. On va pas faire de bruit. Des balles combinées. Oui. On va éviter de faire trop de bruit. Et puis, on va retourner là. J'espère que ça lag pas pour vous. Hein. Vraiment, vous me le dites hein, si ça lag. Ok. Je cours plus, hein, du coup, hein. T'as bien compris que... Ici Claire, ne bougez pas. Je marche, vous ne me reconnaissez pas. Attends, je suis perdue. Faut que j'aille où? Quoi? Comment ça? Ouloulou! Oh non! Ok. Ok, ok. On a la clé. On a la clé, on y va. Je voudrais utiliser cette clé. J'espère qu'il n'y a pas de méchant. Courage, Fillon, oui. Complètement. Ah, oh. Oh. T'es en train de mourir, mec. Non? Te voilà. Approche. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est pas vrai, il est vivant.
tu le connais? Oui, c'est Léon. Kennedy, je crois. Oh, le nouveau, il me disait quelque chose. Toi, tu t'appelles comment? Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Ok. Merci, Marvin. J'y vais. T'as le sourire, il est en train de crever à côté de toi. C'est bien, oui. Oui. Tout à fait. On va sauvegarder, non? Je sais pas, hein. Comme ça. Je pose ça là. Je pense qu'une petite sauvegarde ne ferait pas de mal. Voilà, et même qu'on va sauvegarder ici. Voilà, voilà. Ok, et du coup, je vais couper la VOD.